Il aurait dû fêter ses 80 ans ce printemps. Johnny Hallyday, disparu il y a plus de 5 ans, est encore un artiste célébré et un homme très aimé de sa famille et de ses amis. Le 15 juin prochain, date de l'anniversaire du rocker, son ancien chauffeur Patrick Roussel, publiera un livre de souvenirs intitulé « Tout le monde l'appelait Johnny ». Dans une interview à Téléstar, l'ex-employé du taulier raconte son lien avec la fille aînée de celui-ci. Nous étions très proches, Laura et moi, parce que je crois que j'étais son moyen de communication avec son père. D'après ses dires, Laetitia Hallyday avait coupé son mari de ses deux aînés, David et Laura, et si est avec discrétion que Patrick Roussel a contribué à ce que les liens entre Laura et son père ne soient pas complètement coupés. Johnny devait se cacher pour voir sa fille, il l'aidait en douce quand elle avait des problèmes. Il faut reconnaître qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour garder une relation avec ses premiers enfants, déplore-t-il dans le magazine, lui qui accompagnait donc Johnny lors de ses rares sorties avec Laura Smith. Depuis, la fille du chanteur a gardé des liens étroits avec l'ancien chauffeur. Laura Smith, qui sont les hommes qui ont compté dans sa vie? Laura Smith réalise enfin son rêve. Si l'adolescence et la vingtaine de Laura Smith ont été chaotiques en raison du manque de présence de son père, la trentenaire s'est bien rattrapée en atteignant l'équilibre. Alors qu'elle était l'invitée de Culture Box ce lundi 29 mai, la comédienne a partagé une grande nouvelle, « Je vais réaliser mon premier long métrage l'année prochaine », a-t-elle révélé. Et de souligner, je suis très excité parce que ça fait longtemps que j'écris. Si est-il quelque chose qui me prend les tripes depuis très longtemps. Pour tout vous dire, ça fait 6 ans que j'écris ce long métrage, a-t-elle détaillé sur le plateau de l'émission de France 4. On a le droit de savoir de quoi ça va parler? S'est interrogée, curieuse, Daphné Burki. Bien sûr. Alors, ça veut tout et rien dire en même temps, si est-il un thriller psychologique, a annoncé la maman de Léo, avant de détailler son propos, je traite la folie, je fais le portrait d'une jeune fille pendant 10 ans, qui se perd dans le contrôle. Vous savez, cette société aujourd'hui où on essaie d'être parfaite et dans le contrôle de tout, j'essaie de mettre le projecteur sur ces gamines-là qu'on expose un peu trop, a expliqué Laura Smith. Crédit photo, Pierre Perrusseau.